Yun doit faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Avance rapide vers une séquence plus récente. Écoutez-moi tous, je suis... Si vous vous faites remarquer, quittez les lieux. Il est plus prudent de se faire un peu oublier des passants. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais... il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. Deux seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Altaïr ! Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Regarde, voilà comment nous devrions tous combattre. Je comprends, tu es très occupé. Essayez de viser juste. Le plus souvent, qu'il a, vous n'aurez pas l'occasion de porter une deuxième attaque. Les cadavres peuvent vous permettre de faire diversion. Les soldats quitteront leur poste, et vous pourrez ainsi accéder à la zone qu'ils surveillaient.
Rafik ? Altaïr, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un but précis. Oui. Je dois éliminer Guillaume de Montferrat. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme ? Guillaume a été fait régent alors que le roi était à la guerre. Le peuple s'en étonne à cause de l'animosité entre Richard et Conrad, le fils de Guillaume. Mais je pense que le roi Richard a une idée derrière la tête. C'est-à-dire ? Le roi Richard et Conrad ont souvent des divergences. S'ils ne laissent rien transparaître de leurs différends en public, ces deux-là ne se veulent pas que du bien. Sans parler de l'affaire de ces Sarrasins faits prisonniers dans la cité d'Acre. À la suite de ces événements, Conrad a regagné Tyr et Richard a fortement conseillé à Guillaume de devenir son hôte. Tu veux dire son otage ? Oui, si tu préfères. La présence de Guillaume devrait dissuader Conrad de faire du zèle. La politique est le cadet de mes soucis. Mais tu es bien conscient que tes actes contribuent à forger l'avenir de cette région. Tu fais de la politique, toi aussi, à ta manière. Si tu veux. Bien, par où dois-je commencer mes recherches ? La citadelle de Richard, au sud-ouest. Ou plutôt le marché installé juste en face. La cathédrale de Sainte-Croix est également dans ce secteur. Sur place, tu rencontreras des habitants disposés à te parler. Ensuite, dirige-toi vers la frontière à l'ouest, à la jonction des quartiers de la Chaîne et des Hospitaliers. Voilà qui devrait te mettre sur la piste. Très bien. Je ne te dérange pas plus longtemps. Tu ne me déranges jamais. Enfantillage, ce n'est plus de son âge. T'as rien à faire ici! Va-t'en immédiatement! Je te ferai trancher la main. Aidez-moi. Je vous donne un peu d'argent. Tu aurais dû réfléchir à deux fois. Tu n'es vraiment pas de là.
me le payer cher. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. C'est Arthur. Ma colère sera terrible. Je vais t'étouffer. Il se croit plus fort. Je suppose que je dois vous remercier, même si vous pouvez en venir à vous.